Europe Soir, TV Média. Bonsoir Eva Rock. Bonsoir Nicolas. Vous allez nous parler ce soir d'une case très importante pour télévisions, celle qu'on appelle l'Access Prime Time en bon français. Exactement, parce que ce soir, enfin en tout cas l'événement média de la journée, c'est à 19h10 qu'il va débuter avec l'arrivée de Yann Barthès sur TMC. On en a beaucoup parlé depuis ce matin et puis depuis quelques jours déjà. L'animateur débarque sur la chaîne qui appartient au groupe TF1 pour un talk show exactement dans le même esprit que le petit journal, mais deux fois plus long et avec un enjeu bien plus important que sur Canal+, parce que c'est l'Access Prime Time, c'est la case horaire qui est située entre 18h et 20h. C'est un carrefour qui est stratégique pour les chaînes et les annonceurs publicitaires qui sont prêts à mettre beaucoup, beaucoup d'argent pour 30 secondes de pub, parfois plus que lors d'un prime time. Et puis, plus il y a de monde devant la télé et évidemment, plus le spot est cher. Mais cher comment ? Très cher, Nicolas, très très cher. Sur TF1, par exemple, pendant le jeu Money Drop, le tarif peut monter jusqu'à 45 000 euros pour les 30 secondes. Ah ouais. Pendant que sur France 2, et n'oubliez pas les paroles, on est plutôt aux alentours de 13 000 euros. Et dans le cas précis de Yann Barthès, ce soir, il en coûtera entre 12 000 et 15 000 euros quand même. Et c'est un record pour TMC, qui est plutôt habitué à des sommes qui avoisinent les 6 500 euros. Donc déjà le double des chiffres en brut. Évidemment, ce n'est pas la somme que va toucher la chaîne. Les annonceurs misent donc en fait sur l'effet de curiosité. Ce soir, ils pensent que l'audience pour cette première sera élevée. C'est un calcul assez logique, surtout quand on voit la campagne de communication dont a bénéficié le programme. Reste désormais à le rentabiliser. Eva Rock, si on veut regarder quelque chose à la télé après l'Access Prime Time par exemple. Eh bien écoutez, pas question d'argent mais de culture. Je vous propose de vous brancher sur France 5 dès 20h20 avec la rentrée de ce magazine. Est-ce que ce générique vous dit quelque chose ? Claire Chazal. Exactement. Entrée libre, présentée par Claire Chazal qui reçoit Vincent Cassel pour cette première de la saison. Il évoquera son film Juste la fin du monde de Xavier Dolan et au menu également un sujet sur Paul Gauguin et un autre sur Elie Semoun. Et moi, c'est cet éclectisme et ce grand écart culturel que j'aime dans cette émission quotidienne qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. Et puis pour bien poursuivre la soirée, vous restez sur France 5 parce qu'avec un trio de légendes, Gabin, Ventura, Delon, sous la direction d'Henri Verneuil pour un des meilleurs polars des années 70, le clan des Siciliens. Et Eva Rock, pour bien poursuivre la soirée, je vous conseille de rester à l'écoute d'Europe 1 puisqu'on reçoit tout à l'heure évidemment Patrick de Carolis, le patron de France pour Télé. Pour son livre. On lui demandera qui dirigeait France Télé lorsqu'il était président. Est-ce que c'était lui ou est-ce que c'était Nicolas Sarkozy. Bonne question.